Bonjour tout le monde. Hello everyone. My name is Melody. I'm a French illustrator from Paris. And today I'm going to draw something live for you. So this event is organized by the French Alliance in Dublin. So I'm sorry in advance, I will do it in French. But if you have any question, don't hesitate to add a comment in the comment section, I will be really happy to answer. Donc, je m'appelle Mélodie, je suis illustratrice et donc aujourd'hui je vais vous faire un dessin en live pour l'Alliance française à Dublin qui organise cet événement. Donc déjà un grand merci à eux pour cette nouvelle opportunité pour présenter mon travail. Donc comme vous le voyez ici, je fais mes dessins dans un carnet. La plupart du temps je travaille au crayon de couleur mais aussi en digital et j'axe vraiment mon travail sur la composition de l'image. Donc j'essaie de trouver un équilibre entre les différents éléments, les différentes couleurs, j'essaie de trouver une harmonie entre eux et comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup mettre beaucoup d'éléments dans une même composition. Donc voilà, tout l'intérêt est de réussir à les agencer entre eux. Et j'aime beaucoup représenter la vie quotidienne, créer des personnages et les intégrer dans un environnement. Et donc là, c'est la page où je vais vous faire l'illustration d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit bien. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tracé en avance parce que c'est une étape où je fais pas mal de recherches et c'est là que je vais travailler la composition. C'est pas l'étape la plus fluide à montrer, donc c'est pour ça que j'ai préféré le préparer en avance. Donc en gros, c'est un crayonné que je vais légèrement gommer pour garder le tracé. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer comment je fais la colorisation par-dessus. Et donc c'est un dessin qui représente mon rapport à l'illustration, au dessin en général. Donc du coup, depuis que moi je dessine depuis que je suis petite, comme beaucoup d'illustrateurs je pense, pour moi ça a toujours été un moyen plus simple de m'exprimer qu'à l'oral. J'aime beaucoup travailler au crayon de couleur parce que je peux prendre le temps vraiment de travailler la texture que je veux, contrairement à la peinture ou à l'aquarelle. J'ai beaucoup plus de mal parce que il faut un peu se précipiter avec ces autres médiums et là je peux vraiment prendre mon temps. Donc voilà, cet élément, ça représente plutôt mon enfance où j'aimais bien rester dans ma bulle. J'aimais bien rester dans un monde où je pouvais créer, rêver librement. C'était vraiment un moyen plus simple pour moi de m'exprimer. Et c'est comme ça que le dessin est rentré dans ma vie en fait.
Et du coup, c'est resté. Et du coup, par la suite, la vie a suivi son cours. Et pour mes parents, c'était vraiment impensable de vivre de l'art, je pense comme beaucoup de parents. Et après, j'en suis très reconnaissante, mais c'est pas vraiment ce que j'ai choisi pour la suite. En gros, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la publicité digitale. Et c'est un domaine qui est vraiment des années-lumière, on va dire, de ma personnalité, de ma nature profonde. Là-bas, j'étais quelqu'un de très introverti. Et en plus, pour mon travail, j'étais commerciale, avec beaucoup de relations clients. Après, ça m'a forcé à m'adapter. Et voilà, maintenant c'est devenu une seconde nature. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté le dessin pour me dédier à ma carrière, ce qui a créé beaucoup de frustration pendant plusieurs années. Donc c'est à ce moment-là que, après, je pense avoir travaillé 4 ans dans ce domaine, que j'ai eu l'envie de redessiner et de surtout partager mes créations. Et c'est là que j'ai créé mon blog, orchimie.com, où je partage mon quotidien. Mais à ce moment-là, le dessin, c'était toujours un échappatoire. Mais c'était surtout devenu un moyen pour m'exprimer, pour partager mes opinions. Je parle beaucoup de mes origines vietnamiennes dans mes dessins, dans les bandes dessinées que je fais sur ce blog. Pour moi, le dessin, c'est devenu plutôt un moyen de porter un message de partager mon quotidien en tant que asiatique en France. Et c'est grâce à ce blog que l'Alliance française m'a trouvée, puisque quand je l'ai ouvert, j'étais expatriée à Dublin à cette période. Donc c'est comme ça que j'ai participé à leur Comic Book Festival annuel. J'avais fait le live reading à ce festival et aussi un workshop avec des enfants. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. Et l'équipe m'a vraiment fait confiance pour le faire alors que c'était vraiment une première pour moi. Du coup, ça m'a confortée dans le fait que je voulais continuer dans l'illustration. Ça m'a encouragée à continuer dans cette voie, on va dire. Des fois, je parle moins parce que j'ai besoin de plus me concentrer pour le dessin.
Et du coup, par la suite, comme je voulais vraiment y aller à fond dans le dessin, en faire ma carrière, du coup, j'ai quitté mon travail et je suis retournée à l'école, dans une école d'illustration à Paris, pendant 2 ans. Et c'est vraiment pas facile de retourner à une vie étudiante, surtout quand on a 30 ans. Faut vraiment se réadapter à un autre mode de vie. Et j'ai appris énormément de choses à cette école. Et il nous encourage vraiment à travailler, à développer notre style graphique. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'essais à cette école, beaucoup d'expérimentations. Et bon, là, ça se voit pas tout de suite, mais mon travail est plutôt coloré, graphique. Et j'aime bien véhiculer des valeurs positives à travers mon dessin. Après, je dirais que maintenant j'arrive à me présenter comme étant une illustratrice. Ça a pris beaucoup de temps. Et après, j'adore toujours dessiner et je regrette pas du tout mon choix. Je pense que si j'avais pas fait ce choix, je l'aurais regretté toute ma vie. Maintenant, je me lance vraiment dans quelque chose qui me passionne. Je vais finir avec du feutre. Dans mes dessins, j'aime beaucoup rehausser les traits avec du feutre. Et j'aime bien la combinaison des deux médiums, crayon couleur, feutre, parce que c'est des médiums qu'on peut apporter partout et on peut dessiner de n'importe où. Surtout quand on voyage, c'est très pratique.
Donc c'était pas très bien centré. Ben voilà mon sketch pour l'Alliance française. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ici. Je poste régulièrement mon travail et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez collaborer avec moi. Et n'oubliez pas de rester à l'écoute des autres événements en direct de l'Alliance française à Dublin. Merci d'avoir suivi le live.